Abattus cet hiver, ces troncs de Douglas seront débardés cet été par des chevaux. Un aspect technique de la gestion d'une forêt qu'ont découvert ce samedi une quinzaine de participants. Depuis 2 ans, les 23 hectares de forêt du domaine de Landrohan sont co-gérés par la coopérative La Bocagère. Elle assure la gestion et l'entretien du bois. L'idée de la sylviculture, c'est de couper un certain pourcentage des tiges avant que n'arrive l'auto-éclaircie. D'anticiper un peu l'auto-éclaircie pour qu'au lieu que ça produise du bois mort, et bien que ça produise du bois valorisable en sciage, en charpente, etc. La forêt n'a pas besoin de l'homme pour pousser et contrairement à certaines idées reçues, il faut l'entretenir. Régulièrement, les forestiers pratiquent des éclaircies, c'est-à-dire qu'ils coupent des arbres, mais pas de façon anarchique. Le moment le plus important, le moment clé quoi, de la sylviculture, c'est le moment où on choisit les arbres à couper. C'est une opération qui se fait avant le bûcheronnage. C'est pas le bûcheron qui, avec sa tronçonneuse, coupe, décide lui-même au fur et à mesure où il coupe. Il y a quelques chênes centenaires, mais ici, la futaie est surtout régulière, avec des arbres plantés dans les années 80. L'objectif est de la rendre irrégulière et de diversifier les essences pour pouvoir récolter du bois régulièrement. Et donc l'idée, c'est de concilier la récolte de bois, le besoin de bois, et d'une récolte qui soit maîtrisée, c'est-à-dire qui soit continue dans le temps, sur du long terme, sur plusieurs générations, sans pour autant empêcher la biodiversité, les autres espèces d'habiter la forêt. Cette balade pédagogique casse certains préjugés et répond aussi à des questions sur l'entretien des bois privés. On devrait essayer de le préserver le plus longtemps possible ou voir comment renouveler des essences, mais pour les renouveler, avant de mettre, bon, j'ai réussi à mettre quelques arbres, mais il faut des trouées, comme il dit, il faut qu'il y ait la lumière, sinon un arbre ne pousse pas dessous, quoi. Avec 337 000 hectares de forêt, soit 10% de sa surface, la région des Pays de la Loire se classe loin de la moyenne nationale, qui est de 30%.